Comme vous le savez, donc l'ACBB, qui est le plus grand club omnisport de France, est un partenaire privilégié de la ville en matière de politique sportive, avec près de 11 000 adhérents, 33 sections, 45 disciplines différentes, 400 bénévoles, on en parlait à l'instant, et 130 salariés. De par la variété de son offre et la grande qualité de son encadrement, cette association apporte une réponse adaptée aux besoins d'une ville de plus de 110 000 habitants en matière sportive. C'est pourquoi, depuis 3 ans, notre volonté est de la soutenir et de favoriser son développement. Les résultats sportifs les plus significatifs, je vous les ai indiqués il y a quelques minutes, et vous avez noté qu'à l'issue de la saison 2010-2011, les équipes premières de 3 sections accèdent à la division supérieure, le rugby en fédéral 1, le football en division d'honneur et le badminton en national 3. C'est également le cas de l'équipe première du volley en national 1 et sa deuxième équipe en national 3. Si pour cette équipe réserve la montée est assurée, celle de l'équipe Fagnon découlera dans quelques jours de la décision de la Fédération française. À ces performances remarquables s'ajoute, et vous l'avez entendu tout à l'heure, l'émergence de jeunes formés à la CBB qui commencent à s'imposer à tous les niveaux, y compris au niveau mondial. Ces performances sportives marquent un tournant dans la vie du club et ouvrent de nouveaux horizons. L'accession au niveau supérieur nécessite souvent de disposer de marges de manœuvre, notamment financières plus conséquentes. Ces dernières sont tantôt imposées par les organes fédéraux, tantôt nécessaires pour rivaliser avec la concurrence. Je vous propose donc d'apporter notre concours à la poursuite de cette excellence sportive en versant un soutien financier exceptionnel à 5 sections, rugby 470 000 euros, football 60 000 euros, judo 60 000 euros, badminton 40 000 euros, volley 30 000 euros. Dans le cas où l'équipe première de volley n'accéderait pas à la nationale 1, l'aide à la section volley se ramènerait à 10 000 euros. Ainsi, le versement de cette subvention exceptionnelle de 660 000 euros ou de 640 000 euros permettrait à ces 5 sections de la CBB de participer au championnat pour lequel elles se sont qualifiées, parfois de haute lutte sur le terrain sportif. Par ailleurs, il vous est également proposé d'autoriser le maire à signer le projet d'avenant à la convention d'objectifs de la CBB.